La violente bagarre a éclaté dimanche lors d'un match de régional à Courson, dans l'Aude, entre le foyer laïque du Auvernais et le club de Fleury-Salcoursan. Quatre joueurs du club de rugby de Perpignan, le foyer laïque du Auvernais, ont été hospitalisés ce dimanche après une violente bagarre lors d'un match de régional à Courson-Aude, rapporte ce lundi France Bleu Roussillon. L'altercation a duré plusieurs minutes et les gendarmes ont dû intervenir. Les joueurs ont des nez et des dents cassés, certains ont été victimes de commotions, précise le président du club catalan, Benoît Castanedo. Il assure que ces joueurs ont été pris à partie par des supporters du club adverse, le club de Fleury-Salcoursan. Le président du club de Perpignan dénonce un pugilat et des insultes raciales contre les joueurs maghrébins et noirs. Il annonce qu'il va déposer plainte. Contacté par France Bleu Roussillon, le club de Fleury-Salcoursan n'a pas souhaité s'exprimer. La Ligue de rugby d'Occitanie examinera prochainement le dossier en commission de discipline.